Départ imminent. Départ validé pour cette septième épreuve, le prix Chambon-Pé, avec des concurrents âgés de 6 à 10 ans inclus, des concurrents qui vont participer sur la distance de 3000 mètres. On est bien parti à l'extérieur avec Céliot Morillon, le numéro 5, qui est venu se placer aux avant-postes pour passer devant les tribunes. Alors qu'en deuxième position, nous avons également De Bellouet, le numéro 7, suivi également par le numéro 4, Éminence Bleue, avec Casanova Blue, l'As qui vient ensuite, qui est en quatrième position et qui est côté corde, devant Césario, le numéro 2, qui est en cinquième position le long de la corde. Un peu plus loin, nous avons Écume de Furtel, le numéro 3, avec Doranik Fouto, le numéro 6, qui vient ensuite le long de la corde. Ensuite, nous avons une cassure avec Don Josco, le numéro 8, qui est le long de la corde. Un peu plus loin, c'est le numéro 11, Epona du Passage, qui vient ensuite, alors que les concurrents vont se diriger à présent vers la ligne opposée. Peloton emmené par D de Bellouet, le numéro 7, qui est seul en tête devant l'As Casanova Blue, qui est en deuxième position le long de la corde, avec à l'extérieur Céliot Morillon, le numéro 5, qui se retrouve maintenant en troisième position. Ensuite, nous retrouvons Césario, le numéro 2, qui est quatrième côté corde, suivi par le numéro 4, Éminence Bleue, qui vient ensuite en cinquième position. On se glisse le long de la corde avec Doranik Fouto, le numéro 6, qui se rapproche à l'extérieur. Nous avons Écume de Furtet, le numéro 3, qui vient ensuite. Et un peu plus loin, c'est le numéro 8, Don Josco. Et on s'est rapproché avec le numéro 11, Epona du Passage, qui est à l'extérieur et qui poursuit son effort. Et un peu plus loin, le numéro 15, Enjoy Dubourg. Les concurrents qui vont sortir à présent du tournant, alors que le 8 a été disqualifié. Le 8 est disqualifié. On vient de boucler le tour. On va passer à nouveau devant les tribunes avec toujours des De Bellouet, le numéro 7, qui est aux avant-postes. L'As Casanova Blue est en deuxième position le long de la corde, avec à l'extérieur Céliot Morillon, qui est troisième. Ensuite, sur une même ligne, nous avons Césario, le numéro 2, avec également le 4, Éminence Bleue, qui est à l'extérieur en cinquième position, suivi par Doranik Fouto, le numéro 6, avec le 3, Écume de Furtet, et le 11, Epona du Passage, qui vient ensuite un peu plus loin, suivi par Enjoy Dubourg, le numéro 15, qui est également à l'extérieur, Art des Caillons, le numéro 13, venant ensuite, suivi par DS Carizet, qui est à l'extérieur. Les concurrents qui vont se diriger à nouveau vers la ligne opposée, avec un peloton emmené par D de Bellouet, le 7, qui est toujours aux avant-postes, suivi par Las Casanova Blue, le 5, Céliot Morillon, est en troisième position et trotte plutôt à l'extérieur. Ensuite, nous retrouvons Éminence Bleue, le numéro 4, qui est en quatrième position, suivi par Césario, le 2, qui est cinquième le long de la corde. Ensuite, nous retrouvons à nouveau le 6, Doranik Fouto, avec Écume de Furtet, le numéro 3, qui est à l'extérieur, suivi par Epona du Passage et Enjoy Dubourg, le numéro 15. Les concurrents qui sont maintenant en boulet opposé, on va se diriger à présent vers le tournant, avec l'allure qui semble s'accélérer. D de Bellouet, le numéro 7, qui est toujours aux avant-postes. À l'extérieur, Éminence Bleue, le numéro 4, qui est en deuxième position aux côtés de l'As Casanova Blue, avec à l'extérieur Écume de Furtet, le numéro 3, alors que le numéro 9 a été disqualifié. Le 9 est disqualifié. Les concurrents qui vont sortir à l'instant même du tournant, avec côté corde, D de Bellouet, le numéro 7, alors qu'on poursuit son effort tout à l'extérieur avec le numéro 3, Écume de Furtet, qui est venu se placer en tête. On attaque à l'extérieur avec le 15, Enjoy Dubourg, qui finit de plus en plus fort, avec ensuite le numéro 7, D de Bellouet, qui est au centre à moins de 50 mètres, avec le numéro 15, Enjoy Dubourg, qui va remporter cette épreuve devant le numéro 3, Écume de Furtet. Et ensuite, nous aurons le numéro 11, Epona du Passage, qui terminera troisième. Alors que les numéros AC16 ont été disqualifiés dans la phase finale. AC16.